C'est important pour moi d'être adossé contre un chêne. Le nom que l'on donne aux guérisseurs celtes, puisque je suis un guérisseur celte, c'est Déo. Déo, ça signifie dans la langue bretonne chêne. En réalité, ça signifie l'homme du chêne. On va passer maintenant dans le deuxième cercle. Alors à ce moment-là, vous avez un homme, un druide, on va dire un druide, mais c'est un être sage, on va dire, qui va vous dire, eh bien, tu as franchi victorieusement la première épreuve du monde visible. On t'avait dit que c'était la seule vérité et tu as bien compris que c'était la seule vérité. Mais maintenant, je dois te dire que nous sommes, que ce que tu as vécu n'est qu'une pure illusion. Le monde visible est une pure illusion. Alors le temps est venu maintenant pour toi d'être initié à la seule vérité qui soit, c'est le monde invisible. Tu as franchi les écueils de l'ego de l'humain, celui qui est dans son mental, qui sait tout, qui voit tout. Tu as franchi cet ego-là, tu as compris que tout était vanité, que la seule vérité du monde visible était de contempler la chose et dans la présence et dans l'instant, alors tu peux être initié au monde invisible. Car ce monde-là est enfin la vérité que tu dois connaître. Alors, encore une fois, c'est le cercle du silence. Comment je pouvais parler du troisième cercle en n'arrêtant pas de parler? Je sais que c'est la règle du jeu avec toi. Mais c'est le cercle où l'on va entrer dans ce que les Indiens appellent le samadhi. Il y a une nécessité absolue d'entrer dans le silence, dans le monde blanc, une créée qui est un monde de silence. Et toute cette folie, ces cris, ne peuvent être intégrés, on ne peut se faire traverser que par tous les petits mondes parce que on est entré dans le silence. Alors, on devient accessible aux autres plans vibratoires. On se tait pour vivre les autres mondes.